terminé de ce mois-ci. Mais on ne va pas aller loin. J'ai uniquement colorié dans ce bouquin-là et dans un autre. Dans un autre bouquin, il y a un seul coloriage à côté. Donc nous voilà partis dans le monde d'Anna Carlson. Ce mois-ci, j'ai travaillé que là-dedans. Bon, celui-ci, je l'avais fait, mon Dieu, il y a 2 ans. Celui-ci, l'année dernière, un par an, vous voyez. Et là, bon, ben, ça y est, on a attaqué cette année. Donc, ces deux coloriages-là, je vous en parle. Le premier, le fleur. Je l'ai réalisé, j'ai fait le coloriage au crayon de couleur Polychromos. Et j'ai fait le fond avec les pastels gras de chez Sennier et un fond en peinture Fabrica décorée métallisée. Je voulais que ça pète. Encore une fois, on va t'embêter avec les sales craies lumière. Voilà, je vais enlever les plastiques. Donc voilà ce que ça rend. Ça pète, ça brille. Ça illumine. J'aime. J'aime pas non plus quand il y en a trop, mais là c'est discret, c'est juste ce qu'il faut. Ça fait des reflets métallisés dans les tons violet rose, c'est trop joli. Après j'ai fait le lapin. Même chose, crayon de couleur Polychromos, ils étaient sortis, j'en ai profité. C'est tentant. Après une page, allez hop, on fait l'autre page. Fond à l'aquarelle Semillard. J'ai utilisé un peu d'artiste troublant par-ci par-là, histoire de faire quelques petites touches, quoi. Stickers lavandeur dans les ailes de d'ange du lapin. Pour faire un rappel, je voulais des paillettes dans les tons lavande violette pour faire un rappel des cœurs de fleurs. Vous voyez? Allez. Comme ça me fait un rappel des tons de cœur de fleurs là, violet comme ça là. Vous voyez le cœur des fleurs. Ça me fait un petit rappel. Bon, c'est de la paillette aussi non plus. C'est pas un grand trait uni comme ça. C'est discret. Alors voilà pour le lapin. Après, on a fait la petite maison. Enfin, j'ai fait la petite maison. On. Pourquoi je dis on? J'ai fait la petite maisonnette au CDC Art. J'étais en train de les tester. Et contre toute attente, ils ont très bien réagi avec ce papier-là. Sincèrement, très très bien réagi. J'utilisais aussi un peu de Posca de marron dans les pierres là, que vous avez là. Vous voyez? Dans les pierres. Dans les galets. Pierre, galets, ouais, bon, on peut dire, c'est la même chose, quoi. Crayon feutre vert gazon. J'ai fait le fond du gazon au crayon de couleur Art. Et j'ai fait des petites touffes d'herbe. J'ai rajouté quelques petites touffes d'herbe au crayon feutre vert. Crayon métallique OUU pour les étoiles. Voilà, ici pour les petites étoiles. Voyez. Métallique OU. Voilà pour ce colo. Après, on va passer à cette page-là. La petite fleur. Allez. Devinez les crayons de couleur. Les polychromos. Voilà. Les polychromos et un fond au Fabrica décoru. Peinture acrylique. Et cette fois-ci, j'ai utilisé du doré et du rose pour faire un fondu. On ne m'arrête pas avec les Fabrica décoru. Je m'amuse. Pour faire les fonds. Là, le fond, je l'ai fait au crayon de couleur. Ici, le ciel. Art. Ça a été impec. Impec. J'ai réussi à fondre les couleurs, un petit peu de mauve, de bleu. Impec. Et là, bah, impec aussi. Mais autrement, quoi. Peinture acrylique, c'est pas du tout. On travaille pas du tout pareil que le crayon de couleur. La fameuse page double. J'ai réussi à en faire une ce mois-ci. Oh, faut pas que je m'habitue. Hein. Vous savez, ne prenez pas l'habitude que je fasse une page double tous les mois. C'est exceptionnel. Alors là, je suis partie avec les phénix, les amis. Les crayons de couleur phénix. J'ai utilisé les crayons Photosta métalliques pour le grelot et le bijou. Là, ici, regardez.
C'est un métal. Allez, pour le grelot, le petit bijou. Là. Par contre, là, non, j'ai fait au crayon de couleur. Donc, je l'ai, le petit bijou de queue, là, vous voyez? Crayon métallique. Voilà. Fond Jackson aquarelle. Les craies aquarellables, comme les néocolores, mais c'est la marque Jackson. J'avais fait du néocolor le mois dernier. Je m'étais dit, là, bon, alors, je vais changer, je vais prendre les Jackson. Et Posca blanc et doré. Blanc et doré dans... Vous voyez, pour les petits points, les petites fantaisies dans les étoiles. Voilà, j'ai adoré le réaliser. J'ai adoré le réaliser, cette double page. Après, j'en ai encore fait un. Ouais, c'est un peu une double page aussi. Enfin, si on veut, moi, je l'ai interprété comme une double page. Mais j'ai pas fait tout à fait les mêmes tons. J'ai fait au fond pastel à l'huile Sélinié. J'ai voulu faire des dégradés, je venais de les recevoir, j'ai voulu faire des dégradés. Enfin, ça faisait un petit bout de temps que je les avais reçus, mais je voulais les tester dans ce bouquin. Donc j'ai pris deux tons ici et deux autres tons ici, en faisant plus clair de ce côté-ci et plus foncé de ce côté-là. Et en fait, le résultat des deux pages est bien fondu. Ce qui fait qu'on peut interpréter ça comme deux pages, quoi. C'est pas laid. Ouais. J'ai fait deux teintes ici, deux teintes ici. J'ai utilisé les crayons de couleur Chromaflow. Ah ouais, j'ai adoré les Chromaflow là-dessus. Et puis j'ai utilisé l'Artistro blanc pour les petites bulles là. Oui. Et puis pour faire l'effet des joyaux. Je me suis amusée, bien amusée avec ce double colo. Après, il y en a là, les petites bébêtes. Les petites bébêtes. Les petites bébêtes. CDC crayon de couleur Phoenix pour les petites bébêtes. Les fonds, le fond pastel à l'huile, forcément. Pastel à l'huile de chez Saignée. J'ai ça de sortie. J'ai ressorti deux autres couleurs et vas-y, on m'arrête plus. Oh, quand il y a quelque chose de sorti, bon, on m'arrête plus. Hein. Et puis les étoiles au Magic Fly doré. C'est de l'acrylique. Crayon acrylique. Après, je suis allée un petit peu plus loin cette fois-ci. Voilà. Je vais faire celui-ci. Ah, je vais enlever la poche plastique. C'est avec le brillant du Magic Fly. Du décoru. Et puis. La lumière, le brillant du décoru, plus le plastique, ça fait mal aux yeux. Donc, encore une fois, du décoru métallique. Donc, de l'acrylique, hein. Pas la poudre, l'acrylique, là, ici. Et là, j'ai détouré. À l'artistro blanc. M'a pris l'envie de tout détourer, vous voyez. Je voulais jouer les contrastes, ben c'est bien réussi, hein. Du clair, du foncé. Je suis contente. Mais voilà pour ce dernier coloriage dans ce bouquin. Bon, il y en a quand même quelques-uns de faits. Et après, j'ai fait un colo de Lenka Filonenko. Attendez, je vous l'attrape. Le voilà. Je l'ai fait au CDC Luminance. Je vous l'amène. Crayon de couleur Luminance. Crayon de couleur Luminance. Sauf la verdure du bas. Je l'ai fait au pastel sec de Gioconda. Gioconda. Et j'ai utilisé de l'acrylique Magic Fly pour détourer. Les petits détourages qu'il y a de fait, là, les verdures.
C'est surtout sur les verdures et le soleil. En fait, j'ai joué plus le détourage sur le fond que sur les objets proprement dit. Mais ça fait pas mal. Et c'est ce coloriage-là que je vous propose en cadeau si ça vous intéresse d'avoir un de mes coloriages. Laissez-moi un petit commentaire. Comme d'habitude, je vous ferai un petit tirage au sort. Je préviens la gagnante dans une vidéo prochaine. Et si j'arrive pas à faire une vidéo prochaine, je suis vachement occupée en ce moment, et ben vous inquiétez pas, je vous fais un petit retour via YouTube quoi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour avoir le coloriage si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si c'est pas grave, mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît. Une bonne journée. Au revoir. Bye bye.